où le coffre des têtes? Il est là le coffre des têtes. Zombie là. Ascenseur hors service. Ah, une pelle. Enfin, la mitraillette. Comme vous voyez là, c'est un soldat. Et il est mort. Tué par des zombies. Et fini par un barbecue. C'est horrible. Comme vous pouvez le dire, c'est affreux et horrible. Mais comme dans Half-Life, les militaires vont nous buter. Ça aussi, c'est le petit problème. En fait, je vous dis un truc. Gordon Crescent, on a découvert la vérité à propos de Half-Life 1. On avait ceux qui avaient déclenché l'accident de Black Mesa et qui a organisé l'invasion des extraterrestres. Gordon Crescent, preuve à moi, mets un commentaire si jamais j'ai faux. Bon, à tout le monde, je vais vous expliquer, je vais vous dire la vérité à propos de Half-Life. Celui qui a déclenché l'accident et qui a créé et qui a organisé un truc dont les militaires doivent éliminer tous les témoins de Black Mesa, c'était le G-Man. Qui aurait cru que le G-Man c'était l'homme gouvernement? Quand je suis sur le mode de S-Win Cop, dès que vous visez sur le G-Man, il est écrit gouvernement man. Donc, qui aurait peut-être pensé que G-Man c'est celui qui. C'est le mec du gouvernement? D'ailleurs, qui sait? Tout à l'heure, c'était les militaires. Pourquoi il nous fait signe à celui-là? Peut-être il avait besoin des renforts. Boum. Heureusement, j'ai le réflexe. Eh ben non.
Bah, ça répond plus. Tant pis. Can. Gluc gluc. Wouh! Ah la vache!